الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous continuons avec une explication de Arba'oun al-Nawawi et nous demandons à Allah la dua qui lui fait nous bénéficier avec ce qui nous tendait et lui fait nous mettre en pratique et nous pourrons pas ce qui nous fait apprendre. Alors, hadith, 15e hadith. مولي حديثة ensuite nous guide ben explication qui est là عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه لجيه كي رسول صلى الله عليه وسلم فنجي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت Celui qui l'y croit dans Allah et le dernier jour, qu'il y dit le bien ou bien il reste tranquille. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ Qui celui qui croit dans Allah et le dernier jour, qu'il y honore ce voisin. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ Qui celui qui l'y croit dans Allah et le dernier jour, qu'il y honore son invité. Hadith de Bukhari et Muslim. Alors, Inch'Allah, nous avons quatre points de ce hadith-là. Concernant le narrateur de ce hadith-là, Abu Huraira, nous finit déjà cause de ce narrateur-là, sa sahabi-là, radiyallahu anhu, dans le hadith précédent. Et là, nous avons quatre points. Le premier qui c'est concernant les caractéristiques de l'Iman. Et deuxième, nous mentionne concernant, comment le prophète il mentionnait ici, veut dire cause bon causé, sinon reste tranquille. Troisième, nous pour cause concernant droit de ban voisin. Et quatrième, concernant ban invité. Alors là, nous guettons un petit coup de. Oui, Abu Huraira radiallahu an, sahabi, nous disons qu'il s'est même plus grand narrateur de hadith. Il dit pas, oui, mon sahabu soufa. Ban sahabi qui t'y périse dans ban sahaba qui t'y périse dans Masjid Nabawi qui t'y pauvre et de t'y périse dans Masjid de t'y périse passe beaucoup les temps avec le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiallahu an li rapporte depuis le Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui c'est lui qui croit dans Allah et le dernier jour. Il y a beaucoup de hadith qui est dans sa ban wording là qui c'est lui qui croit dans Allah et le dernier jour, il fait telle quitteuse, qui c'est lui qui croit dans Allah. Et les derniers jours, il fait telle quitteuse ou bien il n'a pas fait telle quitteuse. Alors, ça veut dire qu'il y a une quitteuse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous mentionnez. C'est une quitteuse qui est une caractéristique d'un croyant. Quand celui qui croit dans Allah et les derniers jours, il fait telle quitteuse, veut dire un moukmin sous caractéristique ça. Donc, c'est un djimoun qui paye ça dans lui. Veut dire un manquement de ce iman, de ce din. Alors, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Et aussi, nous trouvons dans le Coran beaucoup de place Allah subhanahu wa ta'ala mentionné Alladina amanu wa amilu salihat. Ban kina iman et je te fais ban bon action. Donc, un djimoun kina iman les reflète dans l'action. Un djimoun kina iman de ce lekir, sa kina de ce lekir les reflète dans ce ban action. Et ça, signification là, nous trouvons ça dans le hadith précédent ou bien un hadith avant qui nous fait apprendre. Alla inna fil jasadi mudra. Certainement dans l'écho et dans le bout de la chair, il a salahat, saluhal jasad kullu. Quand sa bout de la chair là, libon, entier l'écho, libon. Ou il a fasadat, fasadal jasad kullu. Quand sa bout de la chair là, il n'a pas bon, entier sa l'écho là n'a pas bon. Ala wa hiya al-qalb, certainement c'est l'écho. Donc nous trouvons qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire de l'écho et dans le bout de la chair, c'est l'écho. Quand l'écho là, libon. L'écho là en entier pour bon. Veut dire que dans le kéna iman, ce qui saute dans la bouche, il reflète ce qu'il y a dans le kéna. Si dans le kéna, il y a un taqwa, ce qui saute dans la bouche, il peut refléter ce taqwa qu'il y a dans le kéna. Si dans le kéna, il y a l'hypocrisie, il peut bien apparaître le mot la langue. Donc, c'est quelque chose qui est très important.
dans nos bonnes actions. Par exemple, un monde qui a iman, il a khawf pour Allah subhanahu wa ta'ala, il croit dans yawm al-akhir, ben il n'est pas capable de tricher dans ce commerce. Il n'est pas capable de profiter malheur ben du monde dans l'époque où il a difficulté du monde pas de travail. Il peut tripler, quadripler, quadripler ben prix de ben l'article. Alors il n'est pas il reflète qu'il a iman dans ce lequel ça du monde là. Donc ce qu'il a dans l'équipe, il reflète dans l'action. Si l'équipe est là, bon, action là, il est pour bon. Si l'équipe est là, mort iman, l'iman là, il est faible. Alors, comme ça même, dans l'équipe est là, quand il y a une mauvaise chose, du monde là, il peut faire une mauvaise action. Donc, ça, c'est une déduction qu'il nous fait depuis de sa parole. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir, alors qu'il fait telle chose. Qui c'est lui qui croit dans Allah le dernier jour, qu'il fait telle chose. C'est le premier point. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui croit de Allah. Qui c'est lui qui croit de Allah? Et le dernier jour, falyakul khayran aw liyasmut. Qu'il y dit une bonne parole ou bien il reste tranquille. Qu'il y dit une bonne parole ou bien il reste tranquille. Alors, nous avons une explication de Ibn Rajab. Ibn Rajab, première question, il dit comme ça, il y a un hadith qui fait mentionner, qui quand un djimoun sur la langue, il y a un istiqama. Sur la langue, il y a un istiqama, il y a une droiture, il y a une steadfastness de sur la langue. Alors ça, il faut une partie depuis l'iman. Et il mentionne un hadith dans le Musnad d'Imam Ahmad, que Anas radiallahu anhu dit que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dit, dans sa parole là bien, « La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu » Un serviteur sur l'iman, pas pour une istiqama, pas pour une droiture. Istiqama, assurat al-mustaqim, droite. C'est-à-dire, pas pour une droiture de ce iman. Il faut un iman ferme, un bon iman comme un bizin. Jusqu'à qui se l'équerre et n'istiqama. Le serviteur, il n'est pas pour une istiqama de ce iman. Il n'est pas pour une istiqama de ce iman. Jusqu'à qui se l'équerre et n'istiqama. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Et se l'équerre n'a pas pour une droiture jusqu'à qui se la langue. Et la droiture. Ce là-là, ce l'équerre n'a pas pour une droiture jusqu'à qui sur la langue et la droiture. Ça veut dire, tant que les causes qui tueuses qui bisent, les causes bon qui tueuses, ça les peut amener iman de ce l'équerre, les peut amener droiture de ce l'équerre. Mais si les causes ben mauvais qui tueuses, ben qui tueuses qui pas important, comment tu t'apprends? Qu'est-ce que tu as un hadith là, comment tu te lies dans l'autre? Hein, tu apprends un hadith, une session précédente ou bien avant ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni, il faut une partie d'un perfectionnement de iman d'un serviteur jusqu'à qui li quitte man quitte chose qui pas concerne lui. Donc un dimon quand li cause li cause quitte chose qui concerne lui, li cause quitte chose qui peut bénéficier lui, li cause quitte chose qui dans l'obéissance à Allah. Quand il fait ça de ce lequel pour une istiqama, pour une droiture, et quand de ce lequel une droiture de ce iman pour une droiture, la cause ça. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, Allah Ta'ala mentionné Qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qulu qawlan sadida, dit ban bon parole, yuslih lakum a'malakum. Allah li pour réforme de ban action. Donc cause ban causé qui bisin causé, Allah subhanahu wa ta'ala pour réforme de ban action. Donc ça qui nous causé est une relation avec nos ban action. Ce qui nous causait est la relation avec nos bonnes actions. Quand nous causons bon causé, Allah pour mettre istiqama, pour mettre la droiture de nos bonnes actions. Donc, c'est ce que le prophète peut dire, c'est lui qui a iman dans Allah le dernier jour, qui lui dit une bonne parole, qui lui dit le bien, ou bien il reste tranquille. Il y a un hadith, encore une fois, très peu de mots, mais seulement valeur inestimable, signification extraordinaire, d'un hadith toujours dans Musnad Imam Ahmad, Amr, Abdullah bin Amr bin al-As li dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dit man samata naja, c'est lui qui reste tranquille li fait succès. Man samata naja, celui qui reste tranquille li fait succès, li fin sauvé. Naja, plus précisément, naja veut dire il s'est couru. Alors donc c'est lui qui reste tranquille, il s'est couru, veut dire qui par cause d'à peu près. Par exemple, là le trouvé fatwa, ben, ou la main tirée, plusieurs instances dans les mondes, il y a une fatwa, reste la case, pas fait namaz dans masjid, n'a pas rassemblé. Il arrive à une situation, comme on dit, les mondes abritiers par un équipe ou faire.
un ban du monde peut dire comme ça. Tout du monde peut sortir par supermarché, c'est ma zite qui pas gagne droit aller. Mais ça qui du monde sortir par supermarché là. Quand il pas respecter ban condition, bébé Jean Jelly sortir ban voilà, mal responsable pour ça qui se fait. Nous pas gagne qui du monde il fait nous. Ou la main qu'on cause, pas tiède de poste ça. Nous toujours bien penser comment dire, nous avons un imam top là, plus top qui tout ça, une instance de fatwa qui donne fatwa reste à case là. C'est qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui reste tranquille, il ne secourut. C'est lui qui reste tranquille, il ne secourut. Jusqu'à ce temps-là, dit mon encore, peut croire qu'ils sont plus intelligents, qui tout ça, ban ou la main qui donne fatwa, reste à case, n'a pas le fait jamais dans masjid. Alors, je trouve ça, parfois, il y a agaçant, une situation que, à travers le monde, nous trouvons les plus aggravés. Et, du monde, il y a l'idée, il y a sa courage là, pour venir dire, mais causer pareil. Et surtout, nous disons, Allah, ce mot là. Alors, ça, il y a une petite chose grave. Nous tenons, at least, nous retenons nous la langue. Nous retenons nous la langue, quand nous sien nous causer. Quand nous cause digne, nous causons avec preuve. Nous ne pas ça qui le dimon peut faire. Ça qui dimon peut faire. Ça qui dimon fait n'a pas une preuve. À ce moment-là, une autre façon de penser encore. Dimon penser que la majorité des affaires les bien bon. Non, pas nécessaire. La vérité, il pas reste d'un côté de la majorité. Ça n'a aucun principe dans dîme qui dit la vérité, il bien tout le temps avec la majorité. Non. Quand il y a ijma, ijma veut dire consensus de l'homme. Mais dire tout savant une d'accord ou une quitteuse, ça appelle ça une preuve d'ondine. Mais la majorité, jamais tient une preuve d'ondine. La majorité, jamais tient une preuve d'ondine. Alors, jamais, ben savant fin dire qui, quand il n'a plus beaucoup savant, il dit telle quitteuse, il y a une minorité qui dit telles affaires, obligatoirement, veut dire la vérité avec la majorité. Non, jamais, il tient un principe dans fir d'ondine, ça, jamais. Alors, veut dire qui, il y a besoin. Un dimon surtout quand il n'a pas d'indigne, il besoin payer sur la langue, quand il cause concernant d'indigne. Un autre hadith encore pour montrer nous, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous comme ça, c'est lui qui croit dans Allah et dans le dernier jour, qu'il y dit une bonne parole ou bien il reste tranquille. Qu'il y dit une bonne parole ou bien il reste tranquille. Montrez nous gravité quand nous prononcer. Tant que nous restons tranquilles, nous n'a compte pour rendre. Mais quand nous prononcer, nous n'a compte pour rendre. Inna ar-rajul la yatakallam bil kalima da sahih al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un djimoun li dit une parole. Un djimoun li dit une parole min ridwanillah qui amène la satisfaction d'Allah. La yulqi laha balan. Li pa pour attention à sa parole qu'il finit dire. Il dit ça pour amener satisfaction à Allah. Qui arrive yarfa'uhu Allah biha darajat. Allah augmente ce degré. Li dit une parole, une bonne parole. Et lui pêche la satisfaction d'Allah. Il n'y a pas de satisfaction avec sa parole là. Conséquence de sa parole là, de jour du Qiyama, quand il rentre dans le Jannat, Allah élève-lui en daraja. Contrairement à ça, wa inna al-abd la yatakallam bil kalima min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Il dit à un djimoun, un serviteur, il dit une parole qui amène la colère d'Allah. Il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de pensée qu'il dit. Moi, je dis une pensée, ça fait banal, il prononce une parole qui n'amène la colère d'Allah, sa parole-là fait les rendre de l'enfer. Sa parole-là fait les rendre de l'enfer. Donc, un dimon avant les causer, c'est même que le prophète dit, c'est lui qui croit dans Allah et le dernier jour. Mais le dernier jour, il n'a pour rendre compte. Allah, dans la sourate Qaf, dit, « Ma yalfidhu min khawlin illa ladayhi raqibun atid » Il n'a pas prononcé une parole. Mais un dimon n'a pas prononcé une parole, « Illa ladayhi raqib » excepté qu'auprès de lui, il y a un raqib, il y a un gardien. Atid, lui prêt pour écrire. Ça veut dire, il y a un ange qui a ce travail, fonction, lui peut attendre. Comment causer et écrire? C'est-à-dire, soit on peut causer bon, c'est-à-dire, il y a une explication, il y a une explication là en détail encore. Il y a un ange de côté droite, ange de côté gauche. Comment causer? S'il est bon côté droite, là écrit, s'il est mauvais côté gauche, là écrit. Ça veut dire, côté droite écrit bon action, côté gauche écrit mauvaise action. Alors, ce moment-là, il fait nous rappeler sa réalité là. Un démon, il n'a pas cause une parole. Excepté qui, auprès de lui, il y a un raqib, un gardien, qui lit ratid, qui lit prêt pour écrire. Et c'est extraordinaire encore, aujourd'hui, nous avons une situation que nous écrivons un mot sur Facebook qui est à travers le monde. Des milliers de personnes, possible même des centaines de milliers, du monde trouvent sa parole là. Soit les bons, soit les mauvais. Alors imaginez, grand conséquence d'une parole qui sort de la bouche du monde.
conséquence de parole qui sort de la bouche en djimoun. Là, je peux causer, je trouve une soin très djimoun, écoute-moi. Si je peux causer un bon causé, soin très djimoun, il t'en ça. Il bénéficie dans mon compte, il écrit. Si je prends une mauvaise parole, soit très djimoun, soit nous djimoun, il t'en ça. Alors, ça, dans mon compte, de côté mauvaise action. Alors, un djimoun, il prend faire attention. Alors, qu'il y a encore qu'Ibn Rajab fait mentionner, Rahmatullah alayhi, لذا إن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب. إذا كوز بكو بان بارول كي بينا نسيسيتي بو كوزي سا يامين ديوتي دا لكير كوز بان بكو كوز بكو سا يامين ديوتي دا لكير بابا جاي موفي بارول لا كوز بكو بان بارول كي بينا كان بيزوان بو دي سا موتشال تيل بلاس مناستي تيل زافير من Mochal monal de tel moyaz mon ma parole moubame man qui s'occupe ici même là c'est moi al ikthar veut dire cause beaucoup pas nécessaire mentionner qui m'en fait qui me pas en faire bon mes affaires personnelles raconter même mettre le Facebook tout ça aller même cause beaucoup alors ça y a même Dieu dans l'écrire ça liba sa parole qui me rajab fil mentionner là liba sa parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا تكثر الكلام بغير ذكر الله n'a pas cause beaucoup sans le rappel d'Allah sans le mention d'Allah n'a pas cause beaucoup sans le mention d'Allah فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب parce que beaucoup paroles sans mention Allah ça y amène Dieu dans les cœurs il fait les cœurs en Dieu si وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي et djimoun qui plie loin avec Allah, c'est un djimoun qui se le qui a dit. Donc, hadith dans At-Tirmidhi. Donc, nous trouvons dans ce hadith-là, qui cause beaucoup, pas parce cause mauvais causé, hein, cause beaucoup, mais qui est chose qui moubah, mais qui est chose qui permissible, mon tchal bazar, mon trouve légume ça, mon acheter ça, mon faire ça, mon pas ne faire ça, ça trop c'est. Mais c'est cause même dounia la même, cause même dounia la même, à l'ekfar, mon al-kalam, cause beaucoup, sans qu'il mentionne le nom d'Allah, ça y amène Dieu était dans l'équerre. Il amène Dieu était dans l'équerre. La cause, il y a une narration depuis Ban Salaf, ma première génération. Tu peux capable qu'on dise de parole depuis un Djumma jusqu'à l'autre Djumma. Ban Taberi, Ban Sahaba, ce principe, cette façon de vivre. Tu es capable qu'on dise de parole pour un Djumma, pour l'autre Djumma. Tu peux raconter quand ces paroles sont causées. Donc, bien, faire attention quand nous causons, surtout quand nous causons concernant. Dîne Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai l'intention pour vous un petit peu le cause dîne sans preuve. Comment il grave ça? Il n'a pas une preuve de prendre les hadiths qui montrent nous gravité en dîmoun li cause le dîne Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Ça, une quitteuse, Inch'Allah, nous pouvons essayer rôder une session en zoo, Inch'Allah, nous causons le hasafé qu'appel cause dîne Allah subhanahu wa ta'ala qui pas basé le preuve. Pas basé le preuve. Basé le ça qui nous pensait bon. Ou bien basé sur ce que Djimoun peut dire, ou bien ce que Djimoun peut faire. Il dit, ou pas le faire namaz dans Fatwa. Beaucoup d'instances de Fatwa, il dit, pas faire namaz jamad dans Mazid. Mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le super aussi. Mais Zis Mazid qui n'a pas gagné aller. Mais Fatwa là, tu dis à Djimoun le super aussi. Alors, il veut dire que ce que Djimoun fait n'a pas une preuve d'ordine. Ce que Djimoun fait n'a pas une preuve d'ordine. Quand un savant donne une Fatwa, il basé sur preuve. Pareil qu'on peut penser ou une taqwa, mais ça dit monde qui nous donne sa fatwa là, ça va en savant, ça va une instance de fatwa qui nous. Je suis une taqwa, je suis sur pays Allah. Il n'est pas bénéficié, je n'en ai ça quand je peux dire à Djimoun, pas le masjid. Au contraire, je peux prendre responsabilité, je suis la tête. Mais insan qui est arrivé, Allah wa Allah. Ensuite, l'autre quitteuse, deuxième quitteuse que les prophètes disent, premier, il dit celui qui croit à Allah les derniers jours, qui lui dit une bonne parole ou bien il reste tranquille. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Qui c'est lui qui croit à Allah et le dernier jour, qu'il honore ce voisin. Qu'il honore ce voisin. Et une riwaya qui mentionnait, il y a plusieurs riwayats qui mentionnaient, quand il mentionne, pas faire dit au voisin. Ici il mentionne, ce hadith qui nous explique là, il mentionne, فليكرم جاره. Qu'il honore ce voisin. Et il y a les autres riwayats qui mentionnent, pas faire dit au voisin. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour Allah, pena iman, pour Allah, pena iman, pour Allah, pena iman.
il répète sa parole-là trois fois. Pour Allah, peina iman, pour Allah, peina iman, pour Allah, peina iman. Man zahaba dit, ya Rasulullah, ksanna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. C'est lui qui n'a pas, ce voisin n'a pas safe depuis ce bandit difficulté, ce bandito. C'est lui qui, ce voisin n'a pas safe depuis ce bandito. Il veut dire, il fait dito ce voisin, il dérange ce voisin. Il fait dito ce voisin. Donc, dito nos voisins, il y a des façons de faire dito nos voisins. Soit nous faisons intentionnel, soit nous faisons inintentionnellement. Par exemple, un du monde, il fait inintentionnellement, il met le Coran, il faut. Bien la musique n'a pas gagné loin, ça. Il met le Coran, il faut une qualité, comment dire, il peut envie de faire voisin, alors c'est que le Coran. Veut dire, pas nécessaire qu'il voisin, il est malade, ça l'est, il a pédé au mis, ça l'est, il a un enfant malade, il a grandi le monde sur la case. Mais il met le Coran, il faut, il peut déranger, il. Et nous, nous pouvons faire ça, nous pouvons faire les bonnes intentions, nous pouvons faire pour nous tendre. Mais nous ne pouvons pas connaître, nous pouvons faire des ditos. Nous pouvons faire des ditos sans qu'il nous connaît. Donc, ça, c'est inintentionnel. Donc, nous devons faire attention. Mais c'est une chose pareille aussi. Intentionnellement aussi, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui ont jalousie pour ce voisin, qui ont rancune avec ce voisin, qui pensent sur sa saleté, qui mettent côté la peau de ce voisin. Ça aussi existe, ça, quand il y a des gens là. Il prend sur le taux, il met d'une façon dans le chemin qui est voisin là pour se l'entrée, il peut gagner avec ce avec ça là sur le taux. Soit là existait, mais une petite chose qui existait. Donc, une petite chose qui est un dimon quand il y a un voisin qui dérange lui, cela peut venir amer. Une petite chose qui, peut-être beaucoup parmi nous, nous comprenons cette petite chose là. Quand il y a un voisin qui n'a pas connu vivre, qui fait édito, vraiment nous souffrir, vraiment nous souffrir avec ça. Et ça, c'est un dito qui est vraiment, vraiment, et il est insupportable. Elle aime qu'il nous trouve beaucoup de problèmes déroulés, l'eau s'en va de quitteuse là. Donc, nous devons faire beaucoup de précautions parce qu'il y a un voisin. Et il y a un proverbe dans la langue arabe qui dit Al-Jaru Qabl Al-Dar. Le voisin avant la maison. Ça veut dire qu'un dimon n'est pas le rôle de la case, il dit que ça ne reste pas. Pas qu'il y a la case avant, il dit qu'il reste autour, aux alentours. Sinon, nous l'arrivons de l'enfer. Donc, il veut dire qu'il. Nous devons faire prendre précaution, n'a pas faire dito nos voisins. Ah, c'est un voisin qui prend un voisin qui lui a aussi. Mais les voisins même, nous trouvons dans un certain endroit, que du monde, une coupe d'animaux, une prend saleté, une zette d'ossimée. Alors, tout ça là, c'est une petite chose qui nous trouve, qui du monde fait. Hein? Comment ne pas être content du monde, une zette, les os, animaux qui nous coupent, trip devant nous la peau. Fait qu'elle le dire et dans un contexte que peine là ben qui travaille à la municipalité pas peut ramasser pas peut travailler normal même fréquence alors ça peut pourrir devant nous la porte nous trouver dans l'article de journal man hier pas avant hier mais qui qualité ça comment du monde est capable et dans cette qualité mentalité là alors veut dire qui get man l'enseignement simple de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas faire du tout aux voisins. Et quand nous disons voisin, il n'est pas juste voisin musulman. Il est même un voisin non musulman aussi. Il y a beaucoup moins de preuves que là. Là, même Ayat Quran, dans le surah An-Nisa, verset 36. Al-Jar, Wabidil Qurba, Wal-Yatama, Wal-Masakin, Wal-Jar, Idil Qurba, Wal-Jar, Idil Junub. Le voisin qui est en relation avec nous, et le voisin qui n'a aucune relation avec nous, il y a différentes interprétations. Il y en a qui disent le voisin musulman, le voisin et le voisin non musulman. Mais en tout cas, définitivement, le voisin, y compris voisin musulman et non musulman. Donc, nous avons l'autre pour agir bien avec nos voisins. Peu importe sa religion. Peu importe sa religion. Alors ça, c'est très, très, tellement, tellement important. Pas faire du tout nos voisins. Jusqu'à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Jibril, il vient tellement mettre l'emphase le voisin. Moi, tu crois que Jibril... Pour dire moi, quand je dis mon mot, voisin aussi, bien hérité d'un héritage. Tellement, je voulais mettre l'emphase, le droit d'un voisin, qui, moi, tu pensais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi, tu pensais que Jibril pour dire que voisin n'est pas de l'héritage. Tellement, mettre l'emphase, le voisin. Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un dia d'avant, c'est un riwaya, il mentionnait pas fait du tout. Ici, il mentionne, fal yukrim, qui li ono, le hadith a mentionné ce qui est avec nous là, fal yukrim jarahu, qui li ono, ce voisin. Veut dire qu'il fait ihsan, il fait bonté avec ce voisin. Quand il a mangé, il est capable de venir manger, écoute lui. Il fait des salams, si il est musulman, il greet lui même si il est non musulman. Et
veut dire qu'il garde bonne relation, il honore ses voisins. Et dans une époque pareille, quand nous avons des difficultés, il est important pour qu'il nous guette nos voisins, qui, si nos voisins ont des difficultés, nous capables d'aider nos cousins, aider dans une situation pareille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Laïsa al-mu'minu alladhi yushbi'u. C'est pas le musulman, c'est lui qui se vante plein et ce voisin se vante vide. Se vante une remplie, une satiée, bien mangée, alors que ce voisin se vante vide. Alors, ça, c'est la qualité d'un moukmin. La qualité d'un moukmin, il n'a pas, comment dire, égoïste. Et là, nous faisons doigt pour nos bons frères qui l'ont semé, puis partagent, mangent, puis exposent toute la vie, et puis exposent toute la vie, puis partagent nourriture avec bons frères, bons gens qui ont des difficultés. Alors, ça, c'est un grand travail. C'est un grand travail. Alors, donc, il veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous pas faire du tout aux voisins et en plus de ça, honore nos voisins, agir bien, faire ihsan envers nos voisins. Troisième partie de ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu. Qui c'est lui qui croit dans Allah et les derniers jours, qu'il honore son invité. Un dimanche, il vient nous visiter la case, il invite lui, alors nous agir bien avec lui. Nous fait ihsan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, veut dire nous honore sa invité là, agir bien envers lui. Un seul exemple pour montrer comment ben sahaba zotiété envers cet invité. Nous connaissons un incident qui est assez fameux, quand une personne de Madina, et nous connaissons ben sahaba qui fait hijra, qui a beaucoup de difficultés, je ne quitte tout dans ma case dans la Madina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ma zid, un jimoun est venu. Ya Rasulallah, asabani al-jahd. Ya Rasulallah, mon faim, mon fatigué, mon difficulté, de la peine. Les faits, il veut dire, très probablement, c'était un muhajir, un immigrant, qui n'avait pas de place pour rester dans Madina, il n'avait pas à manger. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin avoyen djimoun, quand sur une madame, il a demandé al-gete. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même dit, allez, un djimoun, al-gete, si pas à manger, écoute-moi. Alors, sa sahabi est retourné. Il dit: Ya Rasulallah, quand tu vas madame, paye à manger. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il est passé à manger sur la case. Sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, il est passé à manger sur la case. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tourne vers un sahaba, il dit: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous prend ça, sa djimoun là, sa djimoun qui vient d'imman aide là, pour ça la nuit là, hadihil layla, pour ça la nuit là, qui Allah fait raham l'ouli. Le prophète fait doigt pour sa djimoun qui vous prend sa djimoun là, pour. La nuit pour accueillir lui pour la nuit. Là, un pari ban ansari, ban habitant de Madina, il finit debout, il me dit: Moi, ya Rasulallah. Il prend sa djimoun là, il amène sur la case. Il dit avec ce madame: Doyifu Rasulillah, la tudakhirihi shay'an. Ça, c'est l'invité du prophète, n'a pas gardé non ni dans la case. Tirez mes divans lui. Alors, sa madame là finit de dire: Wallah, peine à manger, excepté pour ban enfants. Lui aussi pas il est peine à manger, subhanallah, il comment je suis pauvre. Mais c'est moi qui comment je peux agir là. Il a dit avec son monsieur, peine à manger, excepté manger pour bons enfants. Alors ça, monsieur là, il dit avec son madame, quand bons enfants peuvent bien manger là, fais-je dormir, fais-je dormir. Après, tu viens, tu amènes manger là, tu teins, hot fille, sirop, tu teins la lampe. Nous pour payer, nous vendre aujourd'hui. Subhanallah, il y a un sahabi là, il fait les enfants dormir. Les enfants pas pour manger cette nuit là, les enfants pour dormir sans manger, et lui et son madame pas pour manger, lui et son madame pas pour manger, il dit: Natoui boutou nana al-layla, ça la nuit là ne vous pèse nous vente. Alors il dit: La lampe qui fait vous parler, ça invite la connaît qui peine à manger, pour parler si connaît. Alors voici avec lui, fait comme dire: Je peux manger, mais je ne peux pas manger. Alors quand il fait ça, il fait cette action là, le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait. Sa djimoun la connaît, sa sahabi qui accueille sa invité qui a la difficulté là, sa invité de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah fin satisfait avec un tel, Allah fin révèle avec le Coran concernant ce sahabi là. Et ça, les concernant ce sahabi là, ça c'est un incident, mais il considère tout ban sahabi qui fin agir de telle sorte. Hein, parce qu'il y a beaucoup ban sahaba dans Medina, pas juste lui qui agit comme ça, mais déjà il donne. In partager avec ban muhajirin beaucoup ban sahaba de Madina fin aide ban frère depuis Makkah
Allah Ta'ala fin révèle à l'ayat Coran Alladine tabawa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim. Man qui finna men iman da Madina. Je content ban qui peut émigrer, mais vin via je. Voilà, yajidouna fi soudourihim hajata mimma outou. Mais c'est ça, ban qui reste dans Madina là. On va mettre à la littérale. Ban qui reste dans Madina, ban qui n'a iman, ban muhajirin, plutôt ban ansar, ban habitant de Madina, ban ansar appelle je. Ban qui finna men iman. Je content ban qui peut émigrer, mais vin via je. Mais je content ban habitant Makkah. La yajidouna fi soudourihim hajatan mimma outou. Je n'ai pas trouvé de jet même nécessité pour ça qui se peut donner. Mais quand je peux donner une quitteuse, les qui est là peut donner avec les qui est content. Pas qu'on va dire les qui est là peut serrer, qu'on va dire qu'on peut donner. Non. Je donne avec un les qui est ouvert et content. Je peux n'avoir aucun haja pour ça qui se peut donner là. Je peux n'avoir un attachement avec ça qui se peut donner là. Je peux donner un grand cœur ouvert. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Au contraire, la dièse, je même donne priorité. Aux autres, l'aux autres même. Voilà, au cannabis, chassassa, même qu'ils ont même de la difficulté. Waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihoun. Ban kin récit vingt, zot shuh, zot l'avarice. Shuh, sa qualité qui appelle attaché avec ban kitseuse qui appartient à nous. C'est lui qui récit vingt sa qualité là. L'attachement avec kitseuse qui nous est là. Sa ban là, c'est ban kin fait succès, ban muflihoun. Subhanallah, dans une situation pareille aussi, nous bien, il développe sa qualité là du portage. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner qualité, mettre sa hadith en pratique, au nom de nous inviter, et au nom de nos frères musulmans et de les autres qui ont des difficultés. Alors, ça, c'est un petit peu concernant ce hadith-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, hadith-là, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khayran aw liyasmut. Qui c'est lui qui croit dans Allah les derniers jours, les dire bon parole ou bien les reste tranquille. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim jarahu. Qui c'est lui qui croit dans Allah les derniers jours, qu'il est honoré son voisin. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كي سيلي كي قاد الله لي ديرني جو لي اونو سو انفيتي هادي دا بخاري ومسلم كان الله سبحانه وتعالى لي فانو بينيفيشي افيك سكي نو فين تاندي اي لي فانو ميت ان براتيك اي لي فانو بارتاج سكي نو فين افان افيك لي زوت اي كان الله تعالى فانو كونتيني افان دو دين اي ميت ان براتيك سكي نو فين افان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين